Let's go, Gadget! En route pour tourner l'éléphant effervescent. An effervescing elephant. L'éléphant effervescent. Le magazine culturel de Nova. Excentrique. Avec Mélanie Bohin. Un festival pas comme les autres en plein centre de Paris, le festival des 36 heures dans la cathédrale des Halles. Un disque en avance, Burning House, avec du General Electric dedans. Un autre festival, cette fois-ci dans le sud, en Arles. Un grand espoir du reggae, Tarus Riley, et un espoir en 1981. Voilà pour ce dernier éléphant de la saison. L'interview de l'éléphant. Hugh Coltman, Nicolas Kerr, Baden Baden, Hold Your Horses, Halt, Étienne Jomet et bien d'autres pour ce festival des 36 heures dans la magnifique église Saint-Eustache à Paris. Grâce à la paroisse, la scène indé trouve sa place majestueuse pour la fête de la musique. C'est beau, c'est grand, à ne pas louper l'année prochaine. Nous sommes ici et c'était important de vous dire. Tu vas just for one day, just for one more day, maybe the night you fall. Attention. Oui, c'est le concept de cette émission, je filme avec mes yeux. On est à Saint-Eustache, c'est sublime. Moi, c'est ce que je ressens. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous ressentez. Le cadre, il est génial. Je crois que c'est une architecture qui a été pensée pour ne pas être amplifiée. Du coup, quand on est en acoustique, c'est assez génial avec cette réverb. Nous, on a des amplis, tout ça, une batterie. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a pas mal d'initiatives en France, il y a déjà énormément de festivals, je crois que c'est un des pays où on a plus de festivals. Donc il y a un fort attachement culturel à la musique. On a eu l'occasion de rencontrer des gens super dynamiques et super passionnés. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, je trouve qu'il y a une scène entre guillemets un peu indé qui est ultra dynamique. Et puis décomplexé aussi. Quand on faisait ce type de son, on était toujours angoissé par rapport aux voisins, à l'Angleterre, aux États-Unis. Au départ, quand on monte un groupe, on compose des chansons et je sais pas, on s'est pas dit il faut qu'on fasse des scènes, il faut que ça marche, tout ça. On avait envie de faire la musique qu'on aimait. Donc c'est le festival de départ de tous les festivals. Je suppose que vous en avez plein cet été, non? Bah, on a fait le Bourges il y a un mois et demi. Mmh. Et on va faire les Franco au mois de juillet. Moi, j'ai une sensation quand même avec Harald depuis le temps que je vous fréquente, c'est que justement vous aimez ce genre de choses, vous aimez quand les choses vous surprennent, quand elles vous échappent, quand l'inattendu est là, quand vous vous surprenez l'un l'autre, c'est ce que vous aimez aussi dans la musique et dans le groupe. Oui, bah, moi j'aime bien considérer les chansons comme des organismes vivants qui puissent être capable effectivement de recevoir des nouveaux anticorps, des nouveaux poisons, des nouvelles perturbations. Enfin, j'ai envie de considérer la chanson comme une propriété biologique perturbante. Comment elles résistent et elles réagissent en fait face à les chansons, elles, les chansons. La première fois qu'on s'est vus du coup, c'était très simple. C'est juste que ça a plu beaucoup aux chansons. Nous, les chansons, tout le monde était content. Toi aussi, j'espère. Mais... Et du coup, c'était un peu la joie. Et ça se passait bien. Il y a des morceaux qui sont censés être profanes. Hein? C'est votre travail à vous. Il y a des morceaux qui sont censés être sacrés. Vous avez choisi quoi? La première, c'était un morceau liturgique grec du 3e siècle. Oui, voilà. Et c'était assez fascinant, mais c'était un peu, pour le coup, ça demandait un peu plus de travail, un peu plus de temps de travail qu'on en avait à notre disposition. On a fini par opter. C'est Leaning on the Everlasting Arms. Moi, je le connais surtout par le biais de la nuit du chasseur. C'est un hymne du 19e, je crois, et qui est notamment qu'on connaît popularisé parce qu'elle est chantée par Robert Mitchum dans la nuit du chasseur. What a blessedness
What a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Ce qui est intéressant de ces genres de lieux, c'est de un peu adapter peut-être la musique pour. J'ai fait un truc pour l'ouverture du festival classique à Saint-Riquier, près de Chartres, il y a un an. Et là, il y avait un orchestre symphonique. Ces lieux-là, c'est donné pour ces formations-là. Il n'y a pas vraiment de coup dur, il n'y a pas de batterie. Donc, du coup, l'ampleur de l'espace prend vraiment sa grandiosité, quoi. Mais donc, du coup, nous, on est obligé de jouer très restreint, tu vois, à la batterie. Manu, il est carrément, il a couvert la batterie avec un énorme tissu afin de mater un peu le son, parce que sinon un coup de casse claire ça dure 9 secondes quoi. Quand je sens que j'ai trouvé une idée, c'est un peu un moment de grâce. Parce que pourquoi cet accord-là? Chacun est un amateur devant une page blanche, quoi, tu vois. Même si j'ai sorti 4 albums, quand tu prends ta guitare et tu dois écrire des chansons pour un nouveau disque, bah, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir le faire? Qu'est-ce qui fait que ce do-là va passer un fa et tu vas trouver une idée qui va avec? Parce qu'il y a plein de gens qui trouvent un do et un fa et ils ne trouvent pas l'idée, quoi. Bah, pourquoi moi je vais trouver une idée? C'est vrai. C'est vrai, j'y ai pensé. Tu vas tourner tout l'été? Ouais, on va tourner pas mal avec cette formation-là. Je commence à aller un peu en Suisse, en Belgique, en Allemagne, mais voilà, ça prend le temps. I dried out at the end of that. I had nothing left to say, so I didn't say anything. C'est pas grave, on peut parler d'autres choses. On peut avoir le silence aussi. Tu veux? On peut faire un petit bout d'interview en silence. Le disque de l'éléphant. En attendant le premier album en septembre, voici un extrait du duo XL, membre fondateur de Quantum Project, collectif hip-hop de Black Alicious, DJ Shadow et compagnie, et Hervé Salters, a.k.a. General Electric's Burning House, Walking into a Burning House, le son de San Francisco à voir cet automne en concert. Dripping from your eyes, it's making you blue, and it's burning down your thighs. A cotton riot in your ear, still you want to need to post party. Nova M. Le festival Les Suds en Arles, ce sont 60 000 festivaliers et 200 artistes pendant une semaine du 8 au 14 juillet dans différents lieux de la cité arlésienne. Alela Diane, Bumchello, Rokia Traoré, Goran Bregovic et bien plus que cela au soleil, bien sûr. Le live de l'éléphant. Membre du mouvement Rastafari, son son métissé jamaïcain-américain s'est fait une place unique sur la scène reggae. Ici, en live à Nova, Tarus Riley.
Sunset, I reside in paradise, and this feeling is priceless. Out in the west, feel the Caribbean breeze. There's no other place I'd rather be. Out by the fountain, the sun rises in the east. That's the place for me. That's the place for me. Everyone could use a little sunshine. Times are so cold, times are so cold. Everyone could use a little sunshine. Times are so cold, times are so cold. Highway, I reside in paradise, and this feeling is priceless. Friends cooling out there on the white sandy beach. Oh, there's no other place I'd rather be. Il était Radio Nova. On va y revenir, on a une histoire à raconter. Live and direct. Plus entre les gens. C'est carré l'émission maintenant. On finit comme ça. Retour aux sources pour ce dernier éléphant de la saison. Il était 1981, nous jetions des roses à la Bastille pour Mitterrand et Radio Nova faisait ses premiers pas de Radio Libre. Les années 80. Mais tous les jours aussi, sur Radio Nova 98.8, vous pouvez entendre les meilleures musiques. C'était les années 80. Elles avaient déjà commencé quelques années avant avec les punks et leur No Future speedé et définitif. Nous, on était modernes, car c'était les années 80. Et tout le monde disait actuel qui était moderne, nouveau et bien intéressant. Et puis on a eu envie de parler, de faire de la radio sans savoir en faire, comme les punks qui, eux, faisaient de la musique sans savoir jouer une seule note. Et c'était bien comme ça. Voilà, on range tous les lunettes, l'éléphant, les bons mots et les jolies choses. Merci à tous, Nico, Ben, Muriel, Chloé, Mickaël, Thibaut, Marion, Pauline, Guillaume, Bruno, Bernard, Demain TV, Radio Nova, ma chaîne étudiante, pour ce bien bel éléphant.